La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marque Page. Bienvenue dans Marque Page. Toto-chan, la petite fille à la fenêtre, Tetsuko Kuro Yanagi, c'est le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui, en compagnie de Michel Winteregg Nakao de Payot Libra. Bonjour Michel. Bonjour Zelda. Qui est Toto-chan? Toto-chan, c'est une actrice très connue au Japon qui a un talk show quotidien sur une grande chaîne japonaise. Pour la situer, c'est l'équivalent japonais d'Oprah aux États-Unis. Donc elle est super célèbre, tout le monde regarde son show. Et ça, c'est une autobiographie qui retrace ses années d'école primaire. C'est une porte ouverte justement sur un système scolaire un peu particulier, une école un peu particulière au Japon. Oui. Alors, c'est toujours une personne assez extraordinaire, mais c'était une petite fille assez spéciale qui a réussi vraiment le miracle de se faire virer de son école en première année primaire. Donc, quand on connaît le système scolaire japonais, c'est quand même un exploit. C'est très rigide, les enfants ont très peu de moyens d'expression. Et elle se fait chasser vraiment de son école comme une malpropre. Et sa mère trouve une école extraordinaire, totalement à part, où vraiment les enfants font des expériences, se font mal, apprennent la tolérance auprès d'un directeur qui a étudié avec Émile Jacques Dalcroze. Donc, qui est l'inventeur de la rythmique, qui était un compositeur rythmicien suisse. Et le directeur de cette école, c'est l'homme qui est connu au Japon pour avoir amené la rythmique au Japon. Un mot sur l'écriture, une écriture simple, quasi enfantine, mais qui nous transporte dans l'émotion. Alors, l'écriture, c'est pas Tetsuko qui écrit, c'est Toto-chan. Elle a vraiment, à nouveau, entre 5 et 10 ans, et il y a tout cet émotionnel d'enfant, ses rires, ses pleurs, c'est vraiment Toto qui écrit, parce que Toto, en fait, elle s'appelait comme ça, elle se présentait comme Toto, parce qu'elle n'arrivait pas à dire son nom quand elle était petite. Tetsuko, c'était trop compliqué, donc elle disait Toto-chan, et c'est vraiment Toto-chan qui a écrit ce livre, c'est pas la Tetsuko des talk-shows. Merci beaucoup. Merci beaucoup Michel. Si vous voulez découvrir qui est Toto-chan, vous pouvez retrouver ce livre chez votre libraire. Marque Page, c'est terminé, mais on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures littéraires. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marque Page.